Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour parce qu'ils sont déjà passés par chez moi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation, les gars. Alors, non, pas une vidéo présentation de char comme promis, mais une petite vidéo sur une astuce que j'ai découverte il n'y a pas longtemps sur le choix de la map. Alors, dès que vous allez cliquer sur le bouton combattre en haut, une map va se choisir aléatoirement. Mais vous pouvez changer ça en choisissant vos préférences pour les maps que vous préférez jouer avec vos véhicules. Alors, tout simplement, il suffit de cliquer sur le mode que vous choisissez de jouer. Si je veux jouer en arcade de char, hop, je vais paramétrer mes batailles pour l'arcade de char en cliquant sur la petite. Mince, comment ça s'appelle? Pas une rotule, un engrenage, voilà, le petit engrenage en haut à droite. Je clique dessus. Vous avez toutes les cartes du jeu indiquées comme ceci. Vous la likez si vous voulez plus souvent tomber dessus, comme ceci, voilà. Regardez, allez liker. Préférence de carte, Japon. Donc, quand il y aura une game sur Japon qui sera disponible, cela vous redirigera automatiquement, principalement sur la map que vous avez liké. Voilà. Alors, si au contraire vous voulez la bannir, si vous n'aimez pas la map du tout, vous pouvez l'indésirabiliser. J'invente des verbes. Vous pouvez cliquer sur indésirable. Voilà. Ça ne la met pas, à part s'il n'y a que ça en jeu et qu'il n'y a vraiment pas d'autre choix après 10 minutes d'attente, style, mais voilà. Normalement, ça la choisit pas. Donc voilà, si vous voulez complètement la bannir, donc plus jamais la voir dans votre jeu, il faut un compte premium. Moi, j'en ai pas pour l'instant, donc je peux pas vous montrer cette option. Mais en tout cas, vous pouvez disliker la map, la liker s'il vous plaît, et rien faire si ça vous fait rien, tout simplement. Donc moi, petit choix de map, mais que je, en tant que pas trop spécialiste dans le jeu, je préfère les maps que j'ai beaucoup joué en petit BR, donc Karelia, le Sinaï, le parallèle, la 38e parallèle, la rivière de cendre, et que le petit point là, la petite position. Donc tout ceci, j'ai liké parce que je connais bien ces maps, j'ai beaucoup de joué dessus parce que avant j'avais des petits BR, maintenant je commence à tomber en 7.7, comme vous pouvez le voir ici avec le magnifique petit Timex 30972 que je viens d'acquérir. C'est une magnifique bête ce Timex 30, j'aime beaucoup le jouer, même si le prix de réparation est un petit peu trop cher à mon goût, mais bon. Bref, revenons sur les maps. Alors, je pense que beaucoup de joueurs confirmés sauront cette petite astuce. Je la fais pour ceux qui, comme moi, ont galéré jusqu'à tomber sur le dev blog de War Thunder sur justement comment aller sur ces maps. J'ai dû m'aider d'internet, les gars, pour vous présenter cette vidéo. One eternity later. Three weeks later. Je crois que vous pouvez avoir que 4 maps likées. Ensuite, vous ne pouvez plus liker. Regardez, vous ne pouvez pas ajouter cette carte au favori. Vous avez atteint le nombre maximum de préférences. Donc, vous pouvez n'en ajouter que 4 en like. Par contre, en dislike, je sais pas. On va faire le test. C'est pas que je les aime pas ces maps, hein. On fait juste le test. Ouais, que 4 aussi. Donc, en gros, franchement. Vous pouvez voir la différence, je la vois un tout petit peu, mais franchement, c'est pas énormément visible, on va dire. Vous pouvez en disliker que 4, vous pouvez en liker que 4, et il y en aura tout le temps plein, donc vous tomberez principalement sur les maps que vous n'avez rien fait dessus. Donc voilà, favori 4 sur 4, détesté 1 sur 4, punaise, je viens de me rendre compte que là en haut c'était écrit.
Donc exclu 0 sur 0. Donc exclu, je pense que vous pouvez tout exclure. Voilà, ce sera tout. Je pense que je vous ai à peu près tout montré sur cette petite astuce. Comment liker et disliker la map. Comment avoir plus de chances de tomber sur les maps que vous aimez. Voilà. Vous pouvez... Ah oui, bah... Aussi le petit bouton réinitialiser si vos choix vous semblent faux et que vous souhaitez tout reconfigurer. Donc le petit bouton réinitialiser en bas à droite. Et bien écoutez, voilà. Sur ce, on va se dire à plus sur YouTube. À plus pour une nouvelle vidéo présentation de Shark qui ne saurait tarder. Hein, mesdames et messieurs, je travaille activement dessus. Je ne vais pas encore vous dire ce que c'est, mais je vous réserve la surprise. J'espère que ça vous plaira. Si cette petite vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Ça fait plaisir, au moins tu rateras aucune de mes vidéos. En plus, c'est gratuit. Tout ça, bref, vous connaissez. Et puis, ben, en attendant, on se dit à plus sur YouTube. Allez, salut !